Attends, je rêve où il y avait une soucoupe volante? Comment ça, une soucoupe volante? Quoi? Quand tu regardes le retour de la journée, il y avait une soucoupe volante. Ah bon? Qui allait sur la petite maison dans le coin, ouais. Ah bon? C'est pas impossible, mais quand tu dis la petite maison dans le coin, c'est-à-dire? Ben, quand tu regardes le retour de la journée. Ouais. T'as une image de fond avec une maison dans. Ah dans d'accord, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Sur une colline. Peut-être. Ouais. Et ben, il y avait une. Il y avait un ovni. D'accord. Clippé, s'il vous plaît. Nino, ça va être quoi ça? Ça, ça va être des ruches. Elles sont là? Oui, et ben elles sont dessus aussi. Mmh. Il va y avoir beaucoup de ruches. Pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a cassé? Non, je pose ça tout de suite. Attends, ben, on l'a mis. Le mec a des bombes dans les mains. Près des coffres. Le pire que ça, c'est une méga bombe. Je pense que celle-là, elle te fait sauter Twitter. Les bombes, je m'en vais. Méga bombe. Je vais la mettre dans le coffre. Pour bon une place. T'as une pioche qui peut piocher des gros cailloux ou pas, Imra? Non, faut que je l'améliore. Elle est encore la pioche de base. Ah, ben améliora. Oui, oui, go. Mais on est. Enfin, d'ailleurs, ça me surprend qu'on ne l'ait pas encore amélioré. Mais je pensais que tu l'avais déjà fait. Bah, moi aussi, mais. Pioche de cuivre pour l'instant. De toute façon, faut que j'aille voir. Eh non, mais attends, on avait le truc. J'allais voir le forgeron pour les jeunes, mais c'est vrai qu'on a la machine. La machina. Si. Ah si, mais si. On a plus de charbon par contre. Mais si, ma. Mais si. Mais si, mais si. Ah, y'a un truc en bas, c'est quoi? Du sirop d'érable. Ah oui, attends. Ouais. C'est ça? Yes. Ah oui, mais après, si je fais. Ouais, si, c'est quand même. Vous avez raison. Le truc, c'est que ma pioche, elle sera indisponible pendant quelques jours, ce qui m'embête un peu. J'ai. J'arrive, je vais donner une carotte à Marnie. Ah, cinématique. Est-ce que je t'embête, ouais, dès maintenant? Bah, après ça, je monte. J'ai tout ça pour ça? Je sais même pas c'était quoi la récompense au final. Je suis dessus. Allez, direction. C'est pas direction. Là-haut. Oui, si je vais faire un. Hop. Allez. Ma pioche, mon pote. Et du coup, je vais faire de la pêche en attendant. Si t'as ta pioche, n'oublie pas ta tête. Ah. Heureusement que je suis pas. Ah, par contre, j'en peux plus. J'ai rien dit. J'ai pris une pierre, du coup, hein. Non, 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 non. T'as rien dit. J'ai tu rien te dit. Moques de moi en plus de ça. Hein. Mais oui, il se moque de moi. Il aime bien. Est-ce qu'on a deux douzaines d'œufs qui traînent quelque part ou pas? Probablement. Enfin, est-ce qu'on a de quoi produire ça pour. Oui, pour oui. Deux oui. Semaines. Ok, je prends la 4 là, ça sera plus facile. Je suis sur le bouton de déplacement, Nino. Vie. Alors, on va redécaler le poulailler. Le poulailler, il est où déjà? C'est vrai que les poules se décalent parce que je veux que tu colles le poulailler à la clôture en pierre. Pousse ah, je le colle poule. Est-ce que tu peux écraser les poules et les canards? Non, non. Ah. Ah, bon, tu. Poussez-vous. Allez, Saturnin, pousse-toi. Allez, descends. Saturnin. Allez. Saturnin. Allez, non, descends. Allez, bouge ton cul de là. Ah, ah, ah. Vas-y, profite. Ouais, merci. Alors ensuite, on va prendre la première maison. Non, attends, la maison de Yaki, c'est laquelle? C'est la troisième? Oui, je crois. C'est celle en pierre. Il y en a deux en pierre. Ok, ouais, on va prendre la maison d'Yaki. Laquelle? Coucou celle-là, YouTube. On va prendre la maison de Yaki.
Et la maison de Yaki, on va aller la mettre. Alors attends, laisse-moi regarder mon plan. Là, collé à l'angle là. Collé dans l'angle. Ouais, c'est ça, comme ça. Ensuite. Oh, comment c'est loin pour aller chercher le courrier maintenant. La maison ouais, c'est vrai. En bois, donc celle d'Imra, tu me la descends encore, s'il te plaît. Mais là, où est-ce qu'on va la mettre? Oui, là, je pense. Et la mienne, il faudrait que je calcule. La mienne, elle va rester dans le coin, mais elle va se décaler. Mais j'ai pas encore. Oui, pour l'instant, mets-la là, c'est très bien. Dans le poulailler? Oui, pour l'instant, c'est très bien, laisse-la là. Hop là. Non, mais vraiment, pour l'instant. Vous retiendrez que Nino vide avec les vaches et les poules. Hein. Ah oui, moi, je vais vivre avec les vaches et les poules, c'est prévu. D'accord, je retiens Nino, stage d'une semaine à la ferme. Hein. IRL. Est-ce que tu peux regarder pendant que tu es là-bas, qu'est-ce qu'il faut pour construire le moulin? Ok, donc je ferme ça. Okay. Oui, tu peux fermer. Le moulin. Des sous, comme d'hab. Beaucoup de sous. Ah, ça. C'est ça le moulin, c'est le mil qui permet de moudre du blé, des betteraves et du riz. Oui, j'imagine que c'est. Alors, 2500 pièces, 150 de bois, 50 de pierre et 4 rouleaux de tissu. Mais comme on n'a pas de mouton. Il nous faut du mouton. On n'a pas de mouton. Et des cisailles. Ouais. Et donc un rouet pour faire de la laine. Puis après, il y a Maléfique qui va arriver, elle va dire qu'il faut appuyer sur la pointe de la quenouille. Quoi? Hein? Qui a dit ça? Pourquoi t'as dit ça? D'accord, très bien, mais merci pour les infos. J'ai pas compris. De quoi t'as pas compris? Pourquoi t'as dit ça? Mais t'as jamais regardé. La Belle au Bois Dormant, oui? Et ben voilà. Et ben Maléfique, quand elle fait sa malédiction, elle dit qu'à l'aube de ses 20 ans, je sais plus comment. Elle se piquera le doigt à la pointe de la quenouille. C'est vrai. Et elle mourra. Voilà. Moi, ça m'a toujours fait. Ah putain, je suis fier. Mon passage préféré de la Belle au Bois Dormant, c'est quand les fées essayent de faire de la pâtisserie. Avec Marc-Lorette. Et Pep Brunel. Et Flora. Et surtout Pep Brunel. Et oui. Et Nicolas. Et Nounours. Et Oscar. Non. Pourquoi? T'aimes pas Oscar? Parce que je peux plus parler de Bonne Nuit les Petits sans avoir des YouTube poupées en tête, donc. Parce qu'elles sont vraiment trop bien. J'ai des DVD de Bonne Nuit les Petits si tu veux. Non merci. C'est quoi, c'est un lecteur de DVD? Oh, quand même, un DVD, c'est pas une cassette. Non, je comprends pas. Une cassette vidéo. C'est sur Netflix ou pas? C'est pas sur Netflix, mais je comprends pas. Il me reste des cassettes. En cassette vidéo, j'ai le collecteur de la communauté de l'anneau. Star Wars et bienvenue à Gattaca. Imagiro qui dit pourquoi il y a un black qui prend des notes. Il est. Oh là là! Il est géologue. Sismologue, je crois, non? Sismologue ou géologue, je sais plus. Bref, il est là-dedans, quoi. Il évalue le terrain, quoi. Voilà. Mais c'est quoi ce racisme gratuit? C'est pas très Vincent Friendly. Non. Mais je savais pas comment le dire. Ça mérite un ban. Sur la roue, faut mettre le ban. Sur la roue, faut mettre le ban. Oh, le ban de ouais, 10 minutes, un truc du genre. C'est ça. Vas-y, fais-le. La roue est ouverte sur le téléphone dans les paramètres. Je touche en même temps. Donc. Ce qui est. Ça y est, j'ai l'emplacement de ma maison. Ah, mais oui, mais là, c'est fermé, Nino. Niveau Poiscaille, on était à jour. Hein. Ben, il nous manque un jour de pluie avec la troisième lune. Ah oui. Il faut qu'on porte un short et enroulé dans des endives. 20 maïs dans les poches. Je crois que c'est ça pour avoir les poissons.
Ouais. Oh, rien que ça, ça va. Non, je crois qu'il nous manque un jour de pluie en rivière, mais je suis pas sûr. Un jour de pluie en rivière. Mais je crois qu'on a tout hein, en poisson, il me semble. Moi, je crois qu'il en manque un. Non, c'est bon. T'es sûr ? L'aquarium, il est terminé, c'est sûr. Oui, l'aquarium est terminé. Ah bon. Et on a eu quoi comme cadeau ? Je sais plus. Ben, il faut regarder les derniers streams. Ah là là. Pomme. Toujours pas de nouvelles des pommiers ? Alors ça, non mais c'est mort hein. Pour de vrai ? Ah oui, je pense qu'on l'a rasé en faisant des conneries et... Non. Il n'existe plus le pommier. Bah... C'est va falloir attendre printemps si on veut des fruits. Parce qu'il n'y en a aucun qui pousse en hiver. Aucun. Le pommier pourra pousser au printemps ? Ah non, non, non ! Le pommier est mort ! Le plant du pommier est décédé ! Non, vraiment, je pense que quelqu'un a mis un coup de hache dedans, et voilà. Terrible. Mais oui, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. C'est enlevé la vie, quand même, un petit être qui était en... Ouais, donc là, en fait, vers le ciel. C'est pas plus mal, comme ça, on le replacera selon mon plan. Ils vont où, les pommiers ? Attends, je regarde. Et alors on peut dire sur le coup que pour le pommier, c'est beau mort, c'est incroyable, là, par contre. Est-ce qu'ils vont les morts, comment on dit pommier en anglais ? Pommier ? Apple tree. Ouais, apple tree. Apple tree. Mais les apple tree, ils vont autour de chez moi. Voilà. Quoi ? D'accord. Non, attends, c'est pas les apple tree. Non, les apple tree, ils seront en dessous de chez Jay. J'ai quoi, moi, du coup, autour de chez moi ? Ça doit être des peaches. Des poires. Peach, j'ai débloqué Peach en icône de Mario 35 Peach, tout à l'heure. T'es content. Donc les pommiers, je sais où ils vont. T'as vu le message que je t'ai envoyé ? Oui, je t'ai pas répondu, mais je l'ai vu. Ouais. Bah bravo, moi je me suis dit ça y est, il est plus vu, moi. Ah bah, il y a toi qui m'a dit ça, il y a Ando qui m'a envoyé un message hier, il m'a relancé aujourd'hui à 18h, il me fait « Eh, tu m'as pas répondu ?» J'ai fait « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. » Mais c'est arrivé à 2-3 personnes, c'est... Pareil, il y a un mail important. Eh, mais tu nous as pas répondu. Ah oui, c'est vrai, depuis un mois, je vous ai pas répondu. En effet, oui, c'est peut-être, il serait peut-être temps que je vous réponde. Un mois, après, ouais. Le chat, il gardait un mois, place. Moins 4 jours. C'était un mail du 8 décembre. Mais ouais, oui, ça en va, effet. C'est pas encore le mois. Non, non, mais pour une réunion du 13 janvier, c'est, oui, c'était. Oui. C'était peut-être bien que je réponde. Quoi. Il reste 6 jours, c'est bon. Tu m'as pas habitué à ça. Hein. Non, mais décembre, c'était une période. Étrange. Chaotique. Non, étrange. Ah, moi je le dis, chaotique. C'est où qu'on range le sirop d'érable ? Je trouve pas. Dans le vomi. Dans le coffre à vendre. Ah bon ? Tu vends le sirop d'érable ? J'en garde un, j'en vends un, j'en garde un, j'en vends un. Ah d'accord. Mais ça on fait a pas besoin de fabriquer des trucs plus tard ? Ben, ça sera pour la cuisine, mais la cuisine on l'a pas. Okay. Donc autant se faire quelques pépettes maintenant. C'est comme, qu'est-ce que tu fais avec tes 62 murs ? Mais c'est pour Sam ! Oh putain. Quoi ? Enfin voilà quoi. Mais il aime ça, je lui en fais cadeau. Il va se choper une cagagne avec toutes tes murs. Ah mais ça c'est voilà. Pas grave, c'est l'amour qui compte. C'est horrible. Mince, qui va le tuer à coup de mur. Mais non, on fera des tartes, des yaourts. Au pire, on mettra des murs entre les États-Unis et le Mexique. Mais... Tu m'excuses, je pose mon sol en bois à côté de toi dans le lit. Ah oui, fais-toi plaisir. Ah ouais. Oh, finesse. Et il est où encore? Tu viens de l'océan, c'est ça? Sous l'océan. Ah mais l'océan, c'est 1h30 pour revenir, c'est horrible. Oh, je suis niveau 10 en pêche. Et bien voilà, j'ai fini la pêche, je vais arrêter de jouer. Merci beaucoup, bisous. Merci à tous, c'était cool.